Et bonjour à tous et re-bienvenue dans ce Let's Play de The Illusion of Time. La fois dernière, on s'était arrêté devant ce merveilleux nouveau pouvoir pour Will. On se demande bien ce que cela va être, et c'est la toupie qui est maintenant utilisable. Très bien. Seul le jeune Paul peut utiliser la toupie. Fais la toupie pour que les ennemis voltigent et utilisent le rebond pour grimper aux collines. Pour activer le pouvoir, appuie sur les boutons d'attaque et LR. LR, je sais pas où je les ai mis sur mon clavier. Je suis Gaïa, source de toute vie, dernier, écoutez mes âmes, les ennemis. Grâce au pouvoir de Paul, la toupie fait de nombreuses collines composent la muraille, tant de tout. Je désire enregistrer. Je poursuis mon périple. Bon, je vais faire ma toupie, si c'est ce qu'elle veut. Du coup, grâce à ça, je vais pouvoir retourner en arrière. Est-ce qu'il y a des ennemis par ici? Oui, il y en a là. Je vais tous les trouver. Et tous les tuer. Ah! Ah, mon dieu! Non, lâchez-moi! Bim! Mange mes pieds! Bon, et ça le traumatise pas de se faire dévorer par des serpents. Le petit Will, il lui en faut plus. Ok. Donc ça serait à peu près ici. Non. Donc ça serait à peu près ici. Ah oui, c'est pour retourner à... Ah non, c'est pas pour retourner à guerre. C'est ce que je cherchais. Oh non! Ah là là, mais quel abruti. Je vous jure. Il y a des jours, c'est difficile d'être moi. Ils m'attendent. Oh, ils sont pas totalement inefficaces. Ils arrivent à bouger. Ah, super, pour avoir de la défense. Je suis content. Je suis très content et content, très content d'avoir de la défense. Je vois mon compte de continu qui est en train d'augmenter. Je suis à 6,51. C'est ça, force de pas mourir, vous savez. On finit par avoir beaucoup de vie. Qu'est-ce qu'il y a là en bas? Oh, il y a beau. 19. Tant de personnes qui m'attendent. Ouais, ici, il faudra définitivement Chrysaor ou tourner de l'autre côté. J'attends qu'une chose, c'est d'avoir Chrysaor. Bon alors. Comment ça marche? Je crois qu'il faut attendre ça. Et... Ouh, c'est... Ah, d'accord. Je l'ai raté. Mais... C'est nul. Ouais. Super. Bon, si je galère comme ça à chaque fois, ça va être compliqué. Ça remplacera pas le... Oups. Qu'est-ce qui se passe, là? Ça remplacera pas la cascade en combat, mais... Enfin, la cascade. La glissade en combat, mais ça sera quand même utile. Alors, à quoi ça sert? Ouais, c'est juste pour passer de l'autre côté. Ok. C'est pas utile. J'en viens... Pff, quel donjon... Je n'aime pas ce donjon. Et voilà, comme prévu. Allez, viens. Viens que je te cogne. Pourquoi il est là déjà? Aïe, trop tard. Il va vraiment falloir que je le tue comme ça. Ah non, ça va, j'ai la portée.
à un Gaïa. Chrysaor, s'il vous plaît. Chrysaor. Oui! Allez, maintenant ça va cogner. C'est moi qui vous le dis. C'est moi que je vous le dis. Comme diraient les gens par chez moi. Désires-tu enregistrer les événements? Oui. Et ensuite, ton périple, oui. Reprends ta route. Eh bien, je la reprends avec fierté, avec une dignité tout à fait loyale, qui ne me lâche jamais les talons. Hop. Bon, par où faut-il que j'aille? Je vais aller de l'autre côté. Maintenant, je peux vous défoncer, parce que je suis un guerrier de l'espace. Un chevalier du Zodiac, puissance 50 au carré, sur 20. Ça fait beaucoup. Les serpents, ça me fait pas peur. C'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Ah ! Je pense que c'est la technique pour se débarrasser des serpents. Et voilà. Dans une pluie de flammes, c'est tellement hardcore. Mais je m'en vais avant que ça retombe. Et du coup, il faut que j'aille où maintenant? Est-ce qu'il y a autre chose? Ça te dirait pas de te soulever, toi? Merci. Alors, je vais continuer par là, j'y étais pas allé tout à l'heure. Tout à l'extrémité ambivalente et équilatérale de ce donjon. Ah, bah voilà. J'ai Chrysaor avant même d'en avoir besoin. Avant même de savoir pourquoi j'en ai besoin. On se fait une fight de distance. Aïe! Tu m'as eu, vil manant. Tu m'as raté. Mais arrête de bouger. Et voilà, maintenant je peux pas souder. Il a tellement peur qu'il s'enfuit à travers les murs. Mais reviens. Viens. Je vais tuer le feu par le feu. Ça me semble logique. Oh. Hop là. Aïe. C'est dommage de s'en prendre une comme ça. De s'en prendre deux comme ça. Ôte-toi de mon chemin. Ah, c'est pas un vrai. C'est juste une statue qu'on peut frapper. Attention, gros casse-tête. Oups. Non. Bon ben, je vais y retourner. Je me suis bloqué. Je suis bloqué, chef. Allez, c'est reparti. Comment ça, ils ont pas bougé? Mais je fais comment, maintenant? Je peux plus passer. Hein? Je suis coincé pour toujours? Le jeu se finit. D'accord, faut peut-être que j'aille plus loin. Bizarre. Et là, c'est le moment où je commence à me perdre. Je veux pas me perdre. Voilà, en sortant, ça va peut-être refresh la mémoire vive de la console émulée, et par conséquent créer une allégorie de l'arithmétique, et provoquer une faille dans la matrice. Voilà, comme je le disais. Bon, cette fois, on va essayer de pas... Comment je peux faire? Je comprends juste pas comment je peux faire. Il est en plein devant... Enfin, il est en plein milieu, je... Je vais frapper. Ok. Le truc tout à fait normal.
Bon, heureusement que j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Là, je vois rien, donc... J'avais oublié que Chrysaor avait une épée totalement abusée. Il y a trop de monde ici. Oh, d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Hop là, esquivation. Bah alors, oui. Ah oui, ça j'avoue. Maintenant, oui, il est devenu plus fort que Chrysaor, j'ai l'impression. À cause de... Enfin, grâce à la cascade, c'est... Enfin, la glissade. Décidément, je vais pas y arriver. Will fait plus de dégâts. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais je préfère toujours Chrysaor, parce qu'il a une grande épée. À ne pas interpréter malencontreusement, n'est-ce pas? Et voilà, voilà, voilà. J'ai un peu de force, et ça me rend content, parce que là, les archers, je l'ai frappé, il leur restait un demi-PV à chaque fois. Maintenant, je vais pouvoir leur mettre un coup de moins. Et oui, il faut penser comme ça dans Illusion of Time, c'est un jeu très technique. Encore des pics. Oh, je me suis fait embrocher. Mais ça va. Je mange une herbe et je suis ok. Hop là. Vous avez vu ces réflexes du tigre? Bon, on s'en fout du grenat. Ça serait vachement bien, Chrysaor et la glissade aussi. Ça serait un peu fort, mais... Mais qui s'en plaindrait? Genre, une glissade qui lancerait la boule de feu. Faut que j'arrête de me prendre ces petites flamèches, là. Encore une pièce qui ne servait à rien. Franchement, il est vraiment pas terrible du tout, ce donjon. Toi, je t'ai vu. Attention. Hé oh, t'es un méchant, je te rappelle. Toi aussi, t'es un méchant. Toi aussi, là. Il va y avoir un interrupteur pour tous les... Bah alors, qu'est-ce qui vous prend? Ah, il faut vous frapper, carrément. D'accord, bah s'il suffit de faire ça... Qu'à cela ne tienne. Un coup maintenant ou plus tard, qu'est-ce que ça change? Alors... Allez, dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. Encore une pièce qui ne sert à rien. À part à faire des combats totalement trépidants. Quand même un réceptacle, ça va. Je porterai pas réclamation. Oh, ça a fait apparaître un Gaïa aussi. En fait, c'est peut-être pas si inutile que ça. Je vais me retransformer en Will parce que dans mes souvenirs, on en a besoin. Et je pense qu'il n'y a pas que dans mes souvenirs qu'on en a besoin. Il y a aussi dans la réalité de ce jeu. La réalité virtuelle. Allez, reprends ta route. Comme ça, je pourrais faire la tornade et passer au-dessus des obstacles. J'ai failli me faire percer le jarreau. Le jarret, pardon. Désolé, j'ai pas eu mon CAP boucherie. Hop, je vais pouvoir passer au-dessus de ça en faisant une magnifique tornade. Ah, encore raté. Faut que je maintienne le bouton de direction. Hop là. Et je prépare même... Wow. Qu'est-ce qu'il lui prend? Bon, on va sauter là. Geronimo! Geronimo! Ah, on y est déjà, d'accord. Coucou! Hé, ne t'enfuis pas!
Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Il revient. Bon, ce boss, il est vraiment ultra facile. Il n'y a aucun souci. Bon, le seul petit problème, éventuellement, c'est qu'on est avec Will. Et que, bah, ça prend du temps. Mais sinon, il n'y a pas de souci à se faire. Il est vraiment très prévisible. Allez, va-t'en. Personne ne t'aime. Même pas ta maman. Allez, un petit coup sur la tête. Mais lui. Eh oh. Ah. Encore un petit coup sur sa tête. Ah, ça c'est bien. Je peux le spammer un peu. Et tuer ces petits bonhommes avant qu'ils arrivent. Il est déjà à moitié vie. Je pense que sa vie est à moitié vide, parce que je suis un éternel optimiste. Certains diront, non, sa vie était à moitié pleine. Tu dis n'importe quoi, Calamity. Non, j'ai pas eu le temps de tuer les petits bonhommes. Oh, j'en ai eu un, pardon. Allez, moi je tue tes enfants à coups de flûte. Quelle cruauté. Non, reviens, reviens, ne me quitte pas. Je garderai les enfants la prochaine fois. Youhou. Eh ben, après avoir vu ça, j'espère que vous ne laisserez plus vos enfants jouer dans les bacs à sable. On sait jamais ce qu'ils peuvent rencontrer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça, je me rappelle pas du tout. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, c'est le drame. Pourquoi il tire maintenant? Mais... Allez, ça va être un combat à mort finalement. J'ai un peu sous-estimé l'adversaire encore une fois. Mais il m'a sous-estimé aussi en pensant que je n'étais qu'un petit enfant. Tu as vaincu, multipède, regarde, une statue exade qui sort de son ventre sans doute. De quelle couleur sera la statue? J'en ai trois déjà? Ah oui, c'est vrai, monsieur Rama, il m'en avait donné. Bon, bah c'est cool. Ça m'en fait 4. C'est bientôt la fin du périple. Et je peux monter à l'échelle parce que dès qu'on tue les boss, une échelle apparaît miraculeusement. Oui, c'était par là. L'autre côté était bloqué. J'ai eu des petits soucis avec le boss quand même. Allez, on va les laisser faire du goulou-goulou. Tu es vraiment inconscient. J'étais malade d'inquiétude. Et si tu avais été blessé, hein? Bah t'aurais été veuve. C'est tout. T'aurais eu l'assurance vie. Oh, je suis confus. Mais j'ai trouvé de quoi guérir mon père. Ah, excusez-moi, c'est à moi. Cette pierre. Tu retrouveras le chemin menant ici en suivant les pierres. Luc murmure. Paul, prends soin de Lily quand je serai parti. Bah tu vas où? Quel comportement égoïste. Lily, take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. So much that you got to understand. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide.
Ils sont vachement distants quand même pour des gens qui viennent de s'avouer leur flamme mutuelle. Enfin, bon. Cela ne nous regarde pas, ils n'avaient peut-être pas les animations nécessaires. Mais ils ont toujours cette malédiction du pixel qui doit rester entre eux. qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est la pleine lune ce soir, le village semble différent. Le marsupi est un drôle d'animal. Ah, le chameau. J'espère que le père de Luc va vite guérir. Mon père et moi étions très complices, j'espère que la mémoire lui reviendra. À l'ouest s'étend un désert immense, mais il faut un marsupi pour le traverser. Paul, comment obtenir un marsupi? Il faut avoir un ami. Comme ça, c'est le marsupi de l'ami. Non, t'inquiète pas, je vais me débrouiller pour en trouver un. Mais ça sera dans le prochain épisode, car en attendant, on est à 22 minutes de vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez bien. Allez, salut tout le monde.